voir sur les tirs d'arrière, qu'il y a différentes techniques. Je pense qu'aujourd'hui, tous les gardiens sont capables un peu de faire toutes les techniques possibles. Mais on voit que les gardiens scandinaves, ils ont tendance, depuis très longtemps, à se laisser tomber sur les tirs de loin, et notamment dès que le bras part en bas. Oui, ça, c'est typique Landin, il le fait très très bien. Il tombe très vite, malgré sa taille. Et ils partent beaucoup plus en fente que les gardiens. Moi, j'ai mis très longtemps à le faire. Alors aujourd'hui, je le fais. Mais eux, c'est vraiment systématique sur les tirs. Dès qu'un tir il part vers le bas, et ben, il se laisse tomber en fente. Alors après, il y a se laisser tomber en fente. Et il faut le faire avec vraiment l'intention d'aller vers le ballon et d'attaquer la balle. Et de ne pas subir et de ne pas tomber pour tomber. Parfois, ce que je peux reprocher à Landin quand je le vois jouer ou les gardiens scandinaves, c'est que c'est juste de se laisser tomber et d'attendre que la balle, elle. En fait, c'est plus une parade où tu attends que la balle, elle vienne. Tu prends le maximum de place, tu te laisses tomber et la balle, elle vient te percuter. Plutôt que toi, tu ailles au ballon comme sur des parades où là, il faut être le plus juste possible au niveau des pieds. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir les deux. Parfois, il faut être capable de faire une parade, notamment sur les tirs, on va dire que sur un tir d'arrière qui vient de l'arrière gauche. En gros, sur les tirs de premier poteau, bah, tu vas être sur des parades où tu vas rester debout et tu vas mettre ton pied. Et sur les tirs au loin, dès qu'il va, là, tu vas pouvoir plus partir en fente. Si tu tombes en fente sur un tir... ça sert à rien parce que l'espace il est vraiment petit. Mais on voit qu'aujourd'hui quand même dans l'évolution du handball, il y a quand même de plus en plus de gardiens parce que ça va très vite aussi que dès que les tirs sont bas, ils tombent. Et après bien sûr quelque chose de très important, c'est la relation avec sa défense et les gardiens suédois. C'est vraiment ils sont formés comme ça. Moi j'ai joué avec Mathias Andersson à Kiel. J'ai joué avec Andreas Palicka à Kiel aussi, qui sont des gardiens suédois et qui mesurent 1m85, 88 et qui avaient cette technique pareil de se laisser tomber en fente. Landin, il fait 2 mètres. À l'époque, il y avait Peter Genzel, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un Suédois. Pareil, Svensson, enfin, c'était des gardiens d'un gabarit plus important et qui. Eux, ils sont tous formés là-bas sur les parades basses, ils se laissent tomber. Pour moi, c'est une très bonne parade. Hein. Et d'ailleurs, je l'ai adoptée après au cours de ma carrière. C'est une arme supplémentaire. Mais pour moi, il faut être capable de maîtriser les deux. Et il faut surtout, pour moi, ne pas tomber pour tomber. C'est juste ça la difficulté aussi. C'est pas dès que c'est pas se laisser tomber, c'est... Parce que Landin, par exemple, à une époque, je trouve qu'il se laissait, sur tous les tirs à 9 mètres, il se laissait tomber. Et qu'à un moment, il faut être capable d'être fort en haut. Après, on voit sur les tirs derrière, c'est très important aussi la relation que tu as avec tes défenseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de défenses aplaties en 0-6. Et donc, c'est aussi au gardien de jouer avec sa défense. Par exemple, là, bon, c'est un ailier qui revient, mais quand on discute avec Rodrigo, voilà, il y a des buts que tu n'as pas le droit de prendre. Ou en tout cas, c'est pas que tu n'as pas le droit de prendre, parce que tu prendras toujours des buts et tu feras toujours des erreurs. Mais il y a pour moi erreur et faute. Si là, il prend le but, premier poteau, et qu'il est parti, deuxième poteau, pour moi, c'est une faute. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose où il manque de concentration, ou... Mais si maintenant ce tir, il part premier poteau et ok, il la touche, voilà, la balle lui passe entre les jambes, ce serait une erreur. Mais une erreur, ça arrive. Je veux dire, tu peux faire une erreur, tu peux faire ta parade, aller là, au premier poteau, sur un ailier qui revient, la balle, elle te passe un peu à travers. Pour moi, ça fait partie du jeu. Mais sur un arrière ou un joueur qui revient comme ça et qui va aller du côté où... Alors, bien sûr, il va aller du côté coin long s'il y a le tir coin long. Et pour moi, c'est toujours très important d'aller du côté où va la balle. Mais par contre, autant il pourra aller de ce côté-là et que la balle, elle va coin long et qu'il prenne le but,
ça peut se concevoir, mais jamais l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont travaillées avec la défense et où t'as pas le droit de partir du mauvais côté. Là, c'est pareil. Ça, c'est des tirs où le gardien, faut pas qu'il se livre. Moi, je demande à mes joueurs, un arrière qui tire comme ça entre numéro 2 et numéro 3, mes arrières, je leur demande de pas sortir, de lever les bras, et derrière, c'est à moi de faire le taf. Ben là, il le fait très bien, Rodrigo, de pas prendre un but premier poteau, surtout qu'il y a Henrik au contre. Je pense que oui, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tu as beaucoup plus de tirs bas, enfin de joueurs, des joueurs qui sont capables de marquer déjà en haut et d'être précis et de cadrer bien. Il y en a quand même moins que des joueurs qui vont tirer en bas. Donc, après, c'est sûr que quand tu te laisses tomber comme ça et que tu te laisses tomber dans le bon timing, tu prends plus de place que si tu mets juste ton pied et ta main. Et tu vas aussi plus vite. Après, c'est des techniques qui se travaillent aussi par rapport à la défense. Je pense que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux défenses, et là, tu me parles un peu de l'histoire, j'ai envie de dire, de pourquoi ils en sont arrivés à ça. Mais les Suédois, ils ont toujours plutôt joué sur des défenses aplaties. Donc les gardiens ont toujours plus travaillé certainement sur les tirs d'arrière que ce que les gardiens de l'ex-Yougoslavie, qui eux travaillaient plus sur des défenses à l'époque 3-2-1, avec plus de tirs à 6 mètres. Et c'est pour ça que derrière, forcément, tu t'entraînes sur des situations que tu vas retrouver par rapport à ta défense. Et ça, on en reparlera sur la troisième partie tout à l'heure, sur est-ce que tu dois adapter ta défense à ton gardien de but ou est-ce que ton gardien de but doit s'adapter à ta défense. Ça, c'est aussi des choses intéressantes et des points à aborder.